Allô ? Monsieur Dana ? C'est qui ? Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle à propos d'Anne-Lise. Comment vous avez eu mon numéro ? Elle avait donné votre numéro en cas d'urgence et comme nous n'arrivons pas à la joindre, je me suis permis de vous appeler. Et vous voulez quoi ? Eh bien, nous sommes inquiets pour Anne-Lise. Son arrêt maladie s'est terminé il y a 3 jours et nous n'avons pas de nouvelles. Je dirais. Autre chose ? Eh bien, dites-lui que tout le service est avec elle. Tu comptes pas te lever aujourd'hui ? Ah merde ! J'ai oublié le coton, t'en restes ? Dans l'armoire. Quelle journée au moins. Par là, mon cul. Le parquet de Paris a communiqué un premier bilan. Je peux lui préparer son biberon. Faut que j'aille au boulot, j'ai pas le temps. Et au final, en tout cas à ce stade, 2 policiers sont renvoyés en correctionnel. Oui, ces 2 policiers avaient chacun de leur côté le. C'est moi. Enlève ces lunettes. Non. Elles te servent plus à rien. Enlève-les. C'est mieux comme ça ? Oui. Je me reconnais plus. Je ressemble à un monstre. C'est pas toi le monstre. T'as entendu la radio ? Il y a 2 flics qui passent en correctionnel. Ils auront rien. Au pire, on leur mettra un blâme. Ils pourront continuer leur vie comme avant. Tu veux toujours pas porter plainte ? Ça servirait à quoi ? À avancer. J'avance plus. C'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé ? Tout ça. Ma vie d'avant. Et Elio ? J'aurais jamais dû le carter. Je t'interdis de dire ça. Parce que tu crois que c'est une bonne chose de faire un môme dans ce monde de merde ? Hein ? Tu crois que c'est un cadeau d'arriver ici ? Comment tu veux que je lui explique ça ? Pour lui expliquer, faudrait déjà que tu t'en occupes. Tu trouves ça normal que cet enfant ait jamais vu le visage de sa mère ? Tu trouves ça normal qu'il connaisse pas ta peau, ton odeur, tes caresses ? C'est pas à moi de faire ça. Je peux pas. T'as pas le choix. Je veux pas qu'il me voie comme ça. Ok. T'as raison. T'as raison, c'était pas une bonne idée de le garder. Mais maintenant, il est là. Alors si tu veux plus te battre pour toi, bats-toi au moins pour lui. Fais-lui confiance. Que tout ça ait pas servi à rien. Le petit a besoin de toi. Même avec ta gueule de pirate. Si tu baisses les bras, ils ont gagné. Faut que j'ai 2 livraisons en retard. Si t'y arrives pas, appelle maman. Non, fais-le toi. Moi, je peux pas. Anne, maintenant tu te démerdes. Ça fait 5 mois que je passe ma vie ici. Je suis fatigué. Alors, soit tu t'occupes de ton fils, soit t'es pas foutu de le faire et t'appelles maman.